Elle est trop chouette, votre copine, wesh. Est-ce qu'on nous voit là-bas, c'est bien là? On ne voit pas. Et même cette voix, c'est quoi? Je veux pas qu'on me voit. Ah! Je fais l'énergie, mais actuellement je suis en période rouge et je suis grave. Aujourd'hui, j'ai trop attendu pour filmer cette vidéo en fait. Aujourd'hui, on se trouve dans un haul. On se retrouve dans un try on haul spécial Shein. Ok, donc je vais te montrer la bête. J'ai reçu un gros colis comme ceci de ces Shein, en fait miniature. J'ai commandé pour presque 200 €. Enfin, le total de base, ça me faisait 219 € et j'ai eu un code promo qui a fait que j'ai payé 185 €. Fallait vraiment que je fasse la razzia, le restock. Ouais, fallait vraiment que je fasse le restock de haut parce que madame n'a pas de haut en fait. Genre, j'ai des pantalons, mais j'ai pas énormément de haut. Donc là, c'est vraiment plus un haul Shein avec plein de haut, un pantalon, des robes aussi, des sacs aussi. Bon, on va voir ça, tout ça avec vous. Je vous dis mes mensurations, mes tailles, etc. parce que je sais que vous allez me demander et j'en ai marre, ok. Mes redites fait 1m70, elle fait environ 73-74 kg. En haut, je fais du S. Par exemple, là, j'ai pris du S parce que c'est stretch, ou du M. En pantalon, je fais du 40-42, ça dépend vraiment. Donc, voilà, ok. Voilà, ne me posez plus cette question en commentaire, merci. Moi aussi, franchement, j'ai un genre cette question, elle attend plus que moi, genre. Il y a énormément de vêtements, genre. Ok, hein. Premier article. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est dans des petites. Tu as regardé pour Vinted, hein? C'est dans des petites pochettes comme ça. Il y a environ 30 articles. Ok, il y a 30 articles que j'ai pris. Franchement, je voulais vraiment faire. Ok. T'aimes trop les trucs comme ça, ton franchement. C'est le même truc que j'ai commandé. Ouais, c'est le crop top, mais j'ai pas mon couleur. Donc là, premier article, on a un petit crop top comme ça, beige. Pas du tout mon style, quoi. Ça tombe le documentaire. Hein. Non, c'est pas cette vidéo-là, en fait. J'aime vraiment beaucoup. Non, mais j'ai pas commandé en fait. Donc, c'est un petit, j'allais dire cinglé. C'est un petit débardeur comme ceci, crop top, bien évidemment, parce que vous connaissez votre goût, elle aime bien les crop top. Donc, je vais l'essayer maintenant. Désolée si je pointe, désolée parce que vous allez dire ah mais Rachel, j'ai pas de soutien. Non, c'est ce genre de haut, j'ai pas mis de soutien en fait. Donc voici le débardeur crop top. Franchement, j'aime bien. T'aimes bien? En fait, surtout la couleur parce que ça fait un peu un. Sur ma peau, ça fait trop bien. Genre, t'as piqué. En tout cas, il est bien. La matière elle est super bien. Franchement, j'aime bien ça avec un petit jean. Taille haute, bien sûr, pas taille basse. Franchement, ça le fait en fait. Il m'a coûté 4 € ou 5 € et je l'ai pris en taille L. Franchement, j'aime bien. Franchement, simple. Pour l'été, simple, tu mets ça quand t'as rien à mettre avec un pantalon. Même pour le mettre en dessous des hauts transparents et tout, en fait, tu peux le mettre aussi. Donc, franchement, on valide. On a ça. C'est quoi? Je sais même plus ce que j'ai commandé. Je prends, mais... Ah, ok. Ouais, je voulais trop ce genre de haut. En fait, c'est un petit haut comme ça. C'est trop à la moitié de temps et c'est. Je sais pas si vous voyez. Genre sur les côtés comment c'est, vous voyez. Donc je vais essayer ça tout de suite. Voici le haut. J'aime bien, mais j'aurais dû prendre le plus petit. Parce qu'en fait ici il est un peu trop grand. J'aurais dû peut-être le prendre ouais j'y prends L. J'aurais dû le prendre en M, voire S même. Tu vois, il est un peu trop grand genre sur les côtés ici. Mais en fait j'aime bien, c'est cette coupe là que je voulais. Mais comme il est grand, bah... Ça fait pas, genre ça se tire pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je le mettrai par contre avec un soutien parce que là, bon, mais c'est ça, un peu trop. Voilà quoi. Franchement, j'aime bien. La matière, elle est bien. Genre, c'est vraiment une matière pull comme ça. Franchement, ça, j'aime bien. Même ça, avec un look total look noir, j'aime trop. Ouais, c'est ça, ça va, tu vois. Ça, franchement, non, ça, j'aime bien. Petit article, ça. Franchement, comme je vous ai dit, j'ai pris vraiment que des basiques. Genre des hauts, que des basiques parce que j'en avais pas en fait. J'en avais pas du tout. Article suivant. En taille L encore une fois. Ok, c'est quoi? Ah, c'est le haut là, Kika.
Ok. Donc c'est un haut comme ça. Ici ça fait bustier. Et ici t'as des manches en fait bouffantes comme ceci. Bon, on va essayer ça tout de suite. Ah oui! Regardez-moi ça en fait! Il est trop beau! J'aime trop! Tu peux serrer derrière. Derrière c'est directement. Je l'ai pris donc en taille L et regardez-moi ça en fait. Derrière c'est vraiment un dos nu. Enfin, c'est croisé. Juste là, on est un peu serré pour que ça me serve bien. Mais franchement, ça fait trop classe. Genre ça, même en soirée en fait, avec un bête de pantalon, avec une belle paire de talons, franchement, ça fait l'affaire. Avec un beau collier, même une queue basse comme ça, bien. Genre, j'aime trop. Et la qualité, franchement, ça va en fait. Tu dis pas que ça vient de Shein ou quoi que ce soit. Tu pourrais facilement retrouver ça. J'ai déjà des ongles, quoi. Mmh. C'est aussi de la couleur parce que bon, hein, c'est les tiens. Mmh, elle est trop cute. C'est un petit haut vert comme ça, croc top. Encore une fois, que je vais essayer tout de suite. Voici le haut en question. Il est trop beau. Genre vraiment ça, un haut d'été. Genre vraiment un haut d'été. C'est vraiment les hauts à la mode. Genre, bois un petit peu bouffant comme ça et tout. Attendez, je vais un peu essayer. Ouais. Ouais, bohème. Ici, en fait, tu peux resserrer, tu vois. Et franchement, il est super beau. Et la couleur aussi, je trouve qu'elle me va bien au teint. Ouais, je vais faire mon tour. Ouais. Franchement, j'aime trop. Et franchement, tous les articles m'ont pas coûté plus de 10 euros. Genre, chaque article ne m'a pas coûté plus de 10 euros. Je partais pas sur des tactiques qui coûtaient plus de 10 euros. Genre, vraiment. Et franchement, il est trop beau. Genre, je kiffe. Tu peux mettre ça avec tout encore une fois, en été et tout. Je kiffe, genre. Hé, hey, on est pauvre ici. Si toi t'as l'argent pour aller, je sais pas où déposer cette dose ici. Moi, en tout cas, chez In ou AliExpress. C'est la première fois que. Ah oui, tu as précisé, c'est pas une collaboration, j'ai acheté ça avec mon argent. Et c'est la première fois que je fais une commande de chez In avec, genre, mon argent. Genre, la plupart, c'est des articles que je recevais. Mais là, c'est avec mon argent. Du coup, bah. J'aime. Et pour la. Pardon, je suis vraiment désordonnée. Pour la livraison, c'est venu en moins de. Moins de 2 semaines, hein. Genre, ils nous avaient dit que ça allait venir le 26 juin. Aujourd'hui, on est le 11 et ça arrive aujourd'hui. Donc, franchement, on valide. C'est quoi? Ah, je vois, c'est quoi? Je vois, c'est quoi? En fait, il n'y a que les crocs. Faut voir, hein, on verra. C'est un croc top comme ça que tu refermes sur les crocs. Crop top quoi, vraiment. Une grosse bille. C'est l'été en fait. On trouve que des croc top quoi. Donc bon, je vais essayer ça tout de suite. Donc voici le haut en question. Il est. Franchement, ça va. Genre, c'est pas un truc de ouf. C'est pas non plus un. Voilà. Mais en fait, moi, sur la photo, c'était comme ça. Je savais que, j'allais le recevoir comme ça. Mais ce que je peux pas, c'est que j'aime pas quand on voit trop ici. Genre, c'est trop plongeant. Donc, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment en fait l'attacher autour de ma taille, quoi. Mais franchement, c'est un haut aussi simple en fait. Genre, vraiment basique. La couleur aussi des hauts bleus, comme ça, j'ai pas. Et franchement, hein, il est pas trop transparent. J'espère que vous voyez pas trop mes seins. Mais il est pas trop transparent en fait. Franchement, j'aime bien. Genre, c'est un truc simple en fait. C'est un truc que tu mets avec tout quand tu veux sortir et quand t'as rien à mettre. On valide. Celui-là, c'est quoi? Du rouge, j'ai pris vraiment de la couleur. En fait, bon, on va tester, on va voir. Mais j'aime bien les manches, en tout cas. La couleur, elle est bien. Pourquoi je prends du L à chaque fois? Ça m'a l'air grand. Bon, essayons. Ah, ça fait beau là. Elles ont très la critique facile. Voici le haut, il est super beau. Regardez-moi les manches en fait. C'est trop beau. De base, ça se ferme aussi devant, mais là, je sens que si je ferme devant, ça va faire trop vulgaire, tu vois. Donc là, je le mets comme ça. Je l'ai croisé derrière et j'aime trop les manches et tout. La qualité, je sais pas si vous pouvez voir, c'est épais en fait. C'est épais en fait, c'est pas du tout léger. Et c'est ça que j'aime bien en fait. Genre... T'as l'impression que peut-être tu dis bon j'ai acheté ça moins de 10 euros, ça va être moins, ça va être la qualité de merde, etc. En fait non, la qualité est bien, les manches sont super bien. Même si avec un pantalon pas de def. Moi j'aime trop avec un pantalon pas de def ou ouvert sur les côtés. Je kiffe. En tout cas la couleur en plus de rouge ça va trop bien à la peau des noirs, genre t'es noir, tu portes du rouge. Hein? Il faut. Parce que c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. En tout cas, les gars, sera encore une fois en barre d'infos. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je kiffe.
C'est quoi ce casque? C'est quoi? Hein? Ah, ok. Wow. Par contre, faut le. Ah, c'est mon haut. Faut le tailler en fait. Ok. Je vous explique le haut. Je vous explique le haut parce que vous. C'est qui ça? Ça va? Mais je sais même pas si ma montrer, j'ai cru du. C'est un haut en fait, comme ça. Un petit satin. Et en fait, derrière, il est tout croisé. Genre, il est tout croisé. Notre ketchup va le croiser. Donc, voici. En fait, le devant, je kiffe. Le devant, je kiffe. Mais le derrière, je sais pas souvent. En fait, c'est tout croisé. Regarde, il y a ma graisse qui sort. C'est tout. T'aimes bien ou pas? J'aime trop. Franchement, ça. Ça pour casser un peu ce côté un peu sexy parce que la, le haut est sexy. Franchement, le haut est sexy. Tu mets ça. Non, franchement, j'aime bien avec le dos. Tu mets ça avec un pantalon large. Genre boyfriend hyper large, tu vois. Genre, franchement, non, je kiffe. La matière aussi, j'aime bien. Genre, mes seins, ça va. Donc, j'ai pris ce haut en 3 coloris que je vais pas porter parce que bon, vous voyez, c'est la même chose, mais en coloris différents en fait. Je l'ai pris du coup. En vert d'eau comme ça, je pense qu'il est magnifique. Ouh là 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 là. Ah, le vert il est beau. Hein. Mmh. Celui-là. J'ai pris le vert aussi pour ketchup parce qu'elle est bleue. Et en haut. Mais c'est pas la même matière. C'est pas la même. Ça j'aime pas voir. Mais c'est pas la même matière. Wesh. Celui-là il est épais comme le vert et celui-là il est tout fin. Wesh. En plus j'ai l'impression qu'il est plus court. Ça, genre il est vraiment super fin. Bon, je vais pas laisser parce que c'est le même petit peu haut. Vraiment. On dirait un bandana, un drag, ouais. On dirait un drag. En tout cas, je vais pas laisser parce que c'est la même chose. Mais je crois qu'il va finir chez Enisha ou je sais pas. Chez voilà, j'ai pris aussi des hauts larges. T-shirt large pour faire robe en fait. Ok. Mais tout leur tu vois, vous voyez ou pas le style? Vous voyez ou pas le style ou pas? Tu vois, avec une jolie paire. Ça, c'est ton style naïf. Bon, ça, je peux le mettre au-dessus. Hein. Je vais mettre au-dessus. Je vais essayer de mettre. Hein. Aussi, ouais, il m'a l'air transparent. Toi, tu mets un cycliste. Ouais, je vais mettre un cycliste, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, c'est plus transparent. Alors, il parle quand même en même temps. Attendez, je vais baisser mon truc. Hein. Je sais pas si vous pouvez voir, regardez là-bas. Ouais, voir. Regardez. Ça fait vraiment très street en fait. Déjà un peu baissé comme ça vous voyez. Ça fait vraiment très street, très ouais en fait. J'aime beaucoup avec une paire de baskets Air Force One et des chaussettes montantes en fait. Truc, là. Ouais, franchement je kiffe. Mais j'ai l'impression que c'est un peu transparent. Ouais, c'est un peu transparent. Ce que je vous conseille de mettre, c'est de mettre un cycliste en dessous. Et franchement le haut il est bien, la qualité de l'image franchement elle est bien imprimée, l'imprimé il est super bien. Franchement, on valide en fait. On valide. Je valide. Ce haut, il va durer une heure. Wesh. C'est quoi? Ok. C'est le même. Ok, c'est le même petit débardeur, mais j'ai pris en noir. Je l'ai pris du coup en noir, en beige et en blanc. Là, c'est un autre t-shirt large aussi. Blanc aussi. Déjà, là, ça m'a l'air pas transparent. C'est mieux. Il est écrit en chinois, happy. Il est bien aussi, je kiffe. Je vois. Mais, je veux vraiment avoir un côté sexy, mais aussi avoir un côté street aussi. C'est pas parce que je crois qu'il y a des crack-tabs qui. Enfin, je sais pas. Attendez, je vous fais voir. Il est plus court déjà. Vous voyez, je sais pas si je pourrais sortir comme ça. Je sais pas. Combien tu mets un élastique, les blancs? Ça, je sais pas. Enfin, la matière, elle est. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est un matière t-shirt, mais pas t-shirt. On dirait du t-shirt mélangé avec la matière de maillot de bain, genre, tu vois. Mais je pense pas le porter comme ça, c'est vraiment avec un jean. Hein. Ensuite, on a ce haut-là. Ah, j'ai une faute. Initial, un peu ça. Initial ? Ouais, voilà. Donc, voici le haut. J'ai laissé le haut noir en bas. Tu peux mettre un haut comme ça ou un soutif noir. C'est toi qui vois. Moi, je me vois pas trop mettre un soutif parce que voilà. Peut-être un body. Soit un body, soit un petit bandeau, tu vois. Mais franchement, le haut, il est super cute. Franchement, j'aime beaucoup. Il est tout simple. Peut-être j'aurais dû le prendre aussi en M. Il est un peu trop large, tu vois. Ce haut-là, faut vraiment que ça colle à la peau, en fait. Faut vraiment que ça colle à la peau. Article suivant.
J'ai pris un autre haut transparent aussi. Et celui-là, il est un peu plus coloré. Je kiffe. Il est un peu plus coloré. Ouh, je kiffe. C'est avec un jean bleu en fait. J'aime trop. J'ai laissé encore le haut noir en dessous. Et franchement, j'aime trop. C'est un petit truc coloré comme ça, un peu colmontant. Franchement, ça, avec comme ça, moi je vois tout avec des pantalons larges. Genre super, super large. J'aime trop. Franchement, il est bien, mèche et tout. Franchement, c'est la matière, ça, elle est super bien. C'est super léger. Donc, tu peux porter ça facilement en été. Si t'as pas, si t'es complexé par tes bras ou je sais pas quoi, tu peux facilement mettre ça en été. Tu vois, ça montre, mais tu vois, pas trop, trop, tu vois. Donc, franchement, ça, on valide. J'aime beaucoup. Archive. Ok. On a ce. Ouf. Il m'a l'air aussi trop grand. Faut que j'arrête de prendre du L. Je sais pas, je prends du L en fait. Je sais pas pourquoi. Franchement, prenez votre taille habituelle. Parce que là, je prends du L et ça m'a l'air trop. Non, en fait, ça dépend de où en fait. Ouais, mais là, en fait, surtout au niveau de la poitrine, j'ai l'impression que ça va être un peu trop grand. Bon, on va essayer ça tout de suite. Et je vais cacher par dessus parce que j'ai l'impression qu'on va mettre dedans. Le haut, il est bien. C'est un haut simple, bien. Ici, là, tu peux remonter. Par contre, j'ai pas touché parce que sinon, vous allez voir mes dedans. Et je sais pas comment on fout sur AMV. Donc voilà. Mais en tout cas, le haut, il est bien. Il est tout simple. Il est violet, la couleur elle est belle. La couleur en soi elle est belle. Franchement, c'est un petit violet lilas comme ça. Crop top, encore une fois, mais tu peux porter en. Je crois que vous voyez pas, mais de toute façon, c'est obligé de poser. Tu peux porter en. Pas crop top, tu vois. Et en crop top, genre. C'est toi qui vois. Genre, c'est vraiment toi qui vois. Mais franchement, j'aime. Moi, j'aime. Je valide. C'est trop ça. Ah. Mais. Oui, un gars, hein. Ok, je vous explique un peu les 10. J'avais commandé une robe noire parce que je me dis en fait, il me faut en été, il faut une robe noire simple, tu vois, que je mette avec une veste en jean ou quoi que ce soit, des baskets. Et regardez, elle m'a l'air un peu trop courte en fait. Et on a dit qu'on est une bitch, mais doucement en fait, tu vois, doucement. Du coup, je vais essayer ça, on verra. Mais la matière, par contre, elle m'a l'air de bien straight. Ouais, exactement, on dirait une gaine. Donc voici la robe, elle est bien, vous voyez, elle est bien, et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est hyper, en fait, la matière, c'est hyper dur, ça fait que ça rentre plus dans votre jean, du ventre, ok, j'ai des bourrelets tout en plus, générique, donc mon ventre, il va encore plus ressortir. Franchement, j'aime bien, franchement, c'est une robe toute simple, en fait, c'est une robe que tu vas mettre avec tout, tu pourras tout faire avec, tu vois, avec des baskets, en été et tout, franchement, on valide, t'aimes bien pas? C'est une robe noire simple en fait. Genre vraiment une robe noire toute simple. J'ai mis aussi son tissu comme d'hab quoi. Franchement j'aime bien. C'est pas trop court. Et c'est pas transparent genre. C'est vraiment super. Comment on dit ça? Super épais. Genre c'est vraiment épais. Et on valide. Ok. On valide. On passe du coup à la robe suivante. Je suis KO. C'est une robe léopard. C'est pas du tout déjà le même léopard que sur la photo. De toute façon, je mets les photos là. La matière, c'est pas du tout la même chose. Et ça, déjà, c'est plus élastique, tu vois. Genre, ça, c'est plus élastique que comme cette robe-là qui est vraiment très stretchy. Genre. Bon, on va essayer. Donc, voici la robe. J'aime bien. Genre, j'aime bien. Mais la matière, touche la matière. C'est. Matière maillot de bain en fait, tu vois, genre c'est matière vraiment maillot de bain, j'ai du vent en train de brûler. Je dis désolée, comme c'est quoi, mais j'aime bien, franchement elle est bien, enfin le motif et tout est bien, mais je sais pas, il y a un truc que j'aime pas, genre je sais pas c'est quoi, mais il y a un truc en fait que j'aime pas, genre je sais pas c'est quoi, mais il y a un truc que j'aime pas, mais je sais pas c'est quoi. Du coup voilà, en tout cas bah dites-moi ce que vous en pensez de cette robe, je sais pas du tout. Pour la robe, je sais vraiment pas quoi en penser les filles, genre. Je sais pas du tout vraiment quoi en penser, mais bon. Je sais pas quand je la porterai, je sais pas où je la porterai, mais bon, elle sera dans ma garde-robe. Article suivant. Next. C'est quoi? Ah ok. Oui, je sais c'est quoi. Hein? Ah, c'était comme ça, hein. C'est censé être un haut bandeau. Mais. Ça comme ça, comment attendez, je cherche la forme. Ok, d'accord. Du coup, tu mets ça comme ça en fait, et c'est un haut bandeau. Bon, on va essayer ça tout de suite. Donc, voici le haut. Ce que j'aime bien,
sur le haut, c'est que en fait, là, il y a un bandeau, tu vois. Ça fait que tes seins, ils ne pendent pas à droite à l'air, tu vois. Genre, ils sont bien. Et tu peux serrer ici. Oh, style bandana, en fait, genre. Franchement, j'aime beaucoup. Super simple aussi. Je mets ça avec tout. La couleur, franchement, je trouve que ça va bien à la peau. Donc, on va lire. Oh, celui-là, je le voulais trop. Il est trop mignon. Tu l'as pris. Ah, oui. Oh, la bise. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique, en fait. Il est trop beau. Il est trop beau. Oh. C'est vraiment le haut Instagram, en fait. Genre, Instagram, il a manche longue. J'aime trop. Je kiffe. Si, il était en toutes les couleurs. Je n'avais pas en toutes les couleurs, sérieusement. Mais il était que en blanc. Ah ouais. Et, ouais, il était vraiment beau. Ah ouais. Et franchement, je regrette pas. Et il est trop beau. Il est vraiment trop trop beau. Il taille super bien. Je prends taille L. Et il taille vraiment super bien celui-là. Genre pas trop grand. Genre mes seins, tu vois là, ça fait pas vulgaire. Tu vois. Genre, c'est pas vulgaire. On voit, mais on voit pas trop. Je valide de ouf. Franchement, je valide de ouf. On passe au jean. J'ai peur. C'est le seul jean que j'ai acheté. Il m'a l'air bien. C'est le seul jean que j'ai commandé sur Shein parce que j'avais peur par rapport au jean. Et regardez, en fait, c'est un jean. On dirait qu'il est banal, mais en fait, en bas, il y a ça. Ok, tu vois. Je retrouve ça, en fait, ici en bas. J'ai pris en L, j'ai pris la plus grande taille. J'espère qu'il va m'aller. En tout cas, il m'a l'air. Déjà, il m'a l'air long. Il m'a l'air taille haute, déjà, première vue. Mais est-ce qu'il va rentrer dans mes grosses cuisses? Telle est la question. Ah my god! Quoi? Attends, il est trop beau. Plus long. Oh my god! On taille bien comme ça? Je vais commencer à te demander pourtant à la base. Non, 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 stop, please! Please, please! Let me go! On taille bien comme ça? Go faire une grosse commande de jeans. Gros. Pelleté! Tu m'en vas plus chez toi. Pelleté et si, maman! Regardez-moi! Regardez-moi le jean. Il serre pas mes fesses. Mes fesses ne sont pas serrées, gars. Le bas. Attends, je vais le serrer tout en bas. Les gars, il traîne limite par terre, en fait. Franchement, non. Franchement, ouais. Franchement, non. Shein, non, en fait. Shein. 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 Les pantalons et ma. Je sais pas si vous pouvez voir ce mur ici. Le pantalon est magnifique. Il taille super bien. Mes fesses sont pas serrées. Il me sert pas. Enfin, à la taille, tu vois, c'est bien serré, mais c'est pas serré de ouf que ça fait que ta graisse va ressortir. En fait, tu vois pas ce que je veux dire. Franchement, je vais faire une commande de jeans chez Shein. Prochain haul. Haul Shein. Haul spécial Shein jean. Dites-le moi vers l'info en commentaire, en fait. Et. Oh là, il y a trop de haut. Ce haut là, qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'avais pris ça aussi. Il l'avait aussi pris en blanc. Je vais laisser tout de suite. Oh, regardez-moi ce haut. Même avec le jean comme ça. Mec, maman nangaï. Il est trop beau. C'est un haut comme ça en fait. Je l'ai pris aussi en blanc. Le blanc. Voilà. Je l'ai pris aussi en blanc. Du coup, je vais pas laisser en blanc parce que c'est la même chose. Voilà, j'ai pris aussi en blanc. Le blanc aussi, ça va être trop beau. Et franchement, j'aime beaucoup. Eh, ma manangue Instagram. Mais attendez, le soleil revient, je vais faire des photos sur le pantalon. Il est trop, trop beau. Genre vraiment trop, trop beau. Genre trop beau. Avec même le jean que j'ai mis là, en fait. Ça fait vraiment un côté, genre sexy et en bas, bam, baggy. Tu vois, et je kiffe ce genre de truc. Genre, c'est vraiment trop beau. Il taille bien. Mes seins, ils sont bien. Tout est bien, en fait. Genre, je kiffe. Le dernier est comme ça. Je kiffe. Je kiffe, franchement. Shein, c'est fini en fait. PLT, je vais un peu mettre ça de côté. Hein. PLT un peu de côté. Shein, qu'est-ce que c'est? Shein, c'est quoi? Tu sais ce que c'est? C'est un haut comme ça, tout simple. Ouais. Et derrière, il est complètement dos. Genre, complètement.
On va essayer ça tout de suite. Aussi caché mes dedans parce que ce haut est transparent. Il est beau. Je vous montre derrière comment c'est. Genre, c'est vraiment Denis en fait. Genre, il est bien, mais il est transparent. Genre, la matière, c'est vraiment super léger. Genre, super léger. Genre, vraiment trop léger. Mais en soi, bon. Je recommande, mais pas trop. Parce que c'est vraiment trop léger. C'est vraiment trop léger. En plus, il est beau, hein. Mais il est trop léger, genre. Il est vraiment trop léger. Mais le modèle est bien, mais il est trop léger, je sais pas. Genre, c'est transparent, mais je vois pas très bien que les... J'ai une famille, j'ai des enfants à nourrir, là. Un autre haut. Voilà, tu vas vraiment... Je fais des trucs... Je ne sais même plus de ce que je commande. Donc c'est un haut comme ça. Crop top aussi, manche longue. C'est le pareil que celui en blanc, mais du coup en violet. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Regardez comment il taille. Il taille vraiment super bien aussi. Mec, en fait, toi avec le jean en fait. Non, toi avec le jean en salle, ça en fait. Il est vraiment trop beau. Je kiffe. Je kiffe, je recommande. Je sais pas où placer mon sein. Bon, c'est un haut simple comme ça de les lilas aussi. C'est vraiment la mode pastel, genre vert, bleu, violet, rose. Lilas, pastel, pardon, c'est vraiment la mode ces derniers temps. Et franchement, on aime. On valide en fait. On peut que valider en fait. Et on arrive vers la fin. Enfin, je suis fatiguée. Wesh. La vidéo, je sais pas, va dire combien de temps. Pourquoi j'ai pris ça? Pourquoi j'ai pris ça? Elle a l'air hyper grande. C'était comme ça dans la photo? Mais déjà, je déteste les hauts où c'est tout ouvert comme ça en fait. Pourquoi j'ai pris ça? Genre, j'aime pas les hauts où c'est comme ça là. Je peux pas, genre. J'espère qu'on peut resserrer. Bon, je vais essayer ça, mais bizarre. Les gars, pourquoi j'ai pris ça? En fait, ça pourrait faire un truc, mais pourquoi c'est ouvert au milieu comme ça en fait? Pourquoi j'ai pris ça? Attendez, je vais essayer de l'arranger. Bon. Les gars, bon, on a un petit flop sur tout ça là. J'aime, en fait, j'aime bien le motif. Ok? Mais le fait qu'il soit ouvert ici, moi je peux pas porter ce genre de haut, je trouve ça. C'est trop sexy en fait. Je vais essayer peut-être de le coudre au milieu. Mais en fait, le modèle, il est bien. Genre, le fait que ça coupe comme ça. Mais ici, là, je peux pas. Genre, c'est ouvert, en fait. Genre, tu caches quoi, en fait? Tu caches rien du tout, en fait. Même si on est déjà un peu montré, un peu caché, là, c'est trop. Du coup, non, je peux pas. La voiture aussi, j'aime pas. C'est un peu grand aussi. Non. On passe, du coup, aux accessoires. J'ai pris deux accessoires. Tout premièrement, j'ai pris une ceinture qu'on met sur le corps comme ça là. C'est ce genre de ceinture en fait qui tombe, tu vois. Genre ça tombe comme ça, je sais pas comment expliquer, mais ça va, il est bien, mais un peu trop grand, trop petit, je veux dire en fait. Je m'attendais à que ce soit plus large, mais ça peut faire un style, tu vois. On va voir comment je vais porter ça, on va voir avec quoi je vais mettre, mais bon, ça va. Ça va. Ok, les deux derniers articles, ce sont des sacs, ok. Trop les sacs, comment ils appellent ça? Je sais même plus comment on les appelle. Mais j'aime trop ce genre de petits sacs en fait. Genre tu vois, c'est vraiment des sacs qui vont avec tout. Et je l'avais... Là... Oh, ça m'a l'air aussi petite en fait. Shein, revoyez vos mensurations en fait. Bon, le sac qui est vraiment à la mode quoi. C'est bien. Attends, je l'ai en beige. Là, je l'ai pris en noir. Je kiffe. Là, c'est un peu... Tu vois. Tu vois pas ce que je veux dire, ouais, tu vois. Même quand ça, j'aime pas tu vois. C'est un peu... J'aime pas le haut. Le haut, il m'énerve. Mais je kiffe. J'aime beaucoup. Ah, il est ma... Oh là 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 là. Il est tout petit. Mais en fait, sur le... Non, c'est pas ça que tu mets comme ça. C'est ça que tu mets ça vraiment comme ça, tu vois. Genre. Comme ça. Franchement, la couleur, elle est trop belle. Je vais le recommander en rose aussi parce qu'elle est en rose. Mais j'ai décidé de le prendre en vert parce que j'ai pas de sac vert comme ça en fait. Et franchement, ça fait moins genre. Hein. Ma mère, elle va voir ça. Elle va dire, ah, ça c'est chinois. Mais nous qui sommes pauvres, on aime. En tout cas, hé les gars, je suis
épuisée, on dirait j'ai fait un marathon, je sais pas où. J'espère que la vidéo vous aura plu. Tous les liens seront en barre d'infos. Du moins, j'essaierai d'être une youtubeuse un peu responsable et de mettre ça en barre d'infos. Si vous avez des questions par rapport à des vêtements comme ça, n'hésitez pas à me dire c'est en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. En tout cas, moi, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.